Maman Traoré a commencé à chanter mm-hmm. l'âge de 14 ans, 15 ans, avec ma mère d'accord. dans le Goumbé de Lyon d'Or à moi. Ma mère était la reine de Goumbé. D'accord. Oui. Maman Traoré a commencé par la danse. D'accord. Ah bon? J'ai dansé. Tu dansais avant? Goumbé. D'accord. J'ai dansé Goumbé avant. Mm-hmm. Après ça, j'ai commencé un peu à chanter. J'ai commencé un peu la chanson. Mon père même ne voulait pas que je danse. Père à son âme. Mon père ne voulait pas. Quand je vais à la danse comme ça, il y a Goumbé, on m'appelle, je viens. Arrivé à la maison matin, mon père, je me cache. Mm-hmm. Parce que souvent, je viens, il me met trop. Père à son âme. Mm-hmm. Bon, comme ma mère, elle est Camara. Les camarades ne chantent pas, les camarades parlent. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Les camarades. Donc, mon père ne voulait pas que je suive trace de ma mère. Mais donc qu'est-ce que ton père voulait que tu fasses? Non, mon père ne voulait pas que je chante. Oh, je n'ai pas eu la chance aussi d'aller à l'école. Mm-hmm. Matin, quand mes soeurs se réveillent comme ça, mes camarades, je fais derrière eux à la maison. Je prends les sacs mm-hmm. de l'école, je les suis. Mm-hmm. Je vais rester avec eux à l'école. Mm-hmm. 10h, récréation, 10h. Ah, 10h. Hein? 10h, mm-hmm. les élèves sortent. Mm-hmm. Maintenant, mes soeurs l'ont acheté pain avec macaroni. Mm-hmm. Moi, mm-hmm. je les suis. Mm-hmm. Et ils rentrent en classe, je viens m'asseoir dehors. Ah bon? J'attends jusqu'à midi. C'est ce qu'ils faisaient. Il y a un jour, il y a tonton Bouba qui est venu me voir. Tonton Bouba dit, moi, toi, tu chantes bien. Tu as fait sortir ton premier album, Moyayoué, c'est passé inaperçu. Pourquoi tu n'as pas fait sortir un autre? Mm-hmm. J'ai dit, moi, j'ai fait sortir pour moi, Moyayoué. Je suis allé au Buruda, on m'a donné 30 000 francs. Mm-hmm. 30 000 francs. Encore Buruda, encore. 30 000 francs, 30 francs. Mm-hmm. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, ce qu'il gagne dans ma rêve, Djembe là, ça me suffit. Mm-hmm. Lui dit non. C'est là qu'il est venu avec Evariste Yassé. Mm-hmm. Evariste Yassé. On a fait Kono. C'est mm-hmm. Evariste qui a arrangé ça. D'accord. Avec son frère Marcelin Yassé. Mm-hmm. Marcelin Yassé, mon père à son nom. Mm-hmm. Et puis Alain Sawayan. D'accord. À ce temps-là, il avait son studio au Deux Plateaux. Mm-hmm. Mais dans ça, là, c'est Djembe qui veut faire. Hein. Mm-hmm. On m'appelle. Il va animer ma rêve aujourd'hui. Mm-hmm. L'argent que je gagne là, je viens verser chez Evariste. D'accord. Alors, maman, voilà, nous on a appris qu'à l'époque, tu avais aussi participé au Kora Awards et tout. Oui. Voilà, tu étais nominé ou bien tu étais invité comme artiste venu. D'accord. Je n'ai pas eu de trophée, je n'ai pas eu de prix, mm-hmm. mais ce que moi j'ai eu là, c'est plus que trophée même. Ah bon, explique-nous un peu. Faut t'affirmer. Je suis sorti uh-huh. avec les autres artistes, les Kofi Olomide. Mm-hmm. Kandian Kouyate, beaucoup, Oumou Diabaté, mm-hmm. on était beaucoup. Maintenant, on est sorti. Je vois un jeune qui a arrêté, grand détail comme ça, bien en forme. J'ai dit, oh, c'est lui là, c'est un homme. Il était arrêté devant la porte. J'ai eu peur. J'ai dit, mes grands sœurs, venons à partir. Et regardez devant là-bas. Ils disent que, mais il y a quoi? J'ai dit, non, venons à partir. Le monsieur m'appelle. Mm-hmm. Il m'appelle, il dit en anglais, il m'appelle en anglais, il dit viens. Mm-hmm. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, moi, mais je ne sais pas parler bien français, c'est anglais, mm-hmm. il n'y a pas ici. Il y a gâteau aujourd'hui. Mm-hmm. On était là, le monsieur, le jeune m'a appelé. Il dit, quand il a dit le nom de Michael Jackson, mm-hmm. il était assis avec les enfants, il jouait avec les enfants là-bas. Mm-hmm. Et là, maintenant, j'ai dit, Michael Jackson, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit, mais il est où? Lui me dit en anglais qu'il est là. Je suis rentré maintenant. Il s'est levé, il est venu vers moi. Michael Jackson? Oui. Et puis maintenant, il est venu. Mais c'est là, il me dit, moi, toi, la petite fille là, toi, tu es venu trouver ici, tu as fait photo. Il a dit, mais c'est moi, il a appelé, c'est mm-hmm. pas vous. Mm-hmm. C'est, maintenant, on a fait photo. Quand on a fait photo, j'ai attrapé sa main comme ça. Tout ici, là, c'était. Il a dit, mais c'est Michael Jackson, vraiment qui est là. Les gens me disent, n'a rien vu d'abord, c'est lui-même qui est là. On a fait la photo. Mm-hmm. Donc moi, j'ai gagné. Mm-hmm. Ah, j'ai arrêté dans la Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis, tu as fait une photo avec Michael Jackson. Michael Jackson. Ouais, c'est clair. Bémé Miriam Makeba, mm-hmm. Nelson Mandela, j'ai fait photo avec eux tous. Ça, c'était le courant en Afrique du Sud. Oui, courant en Afrique du Sud. D'accord. Alors, les gens sont en train de raconter partout que Mawa Traoré est tombée.
Wow, ton poste n'est plus comme avant. Quand il y a les chansons, on dit même les nouvelles chansons que tu as sorties n'ont pas marché. Voilà, comme tes anciennes chansons. Et tu n'es plus invité dans beaucoup de spectacles. Tu n'as plus le gombo, comme on dit, comme avant. Ah et bon? Tout. Toutes ces personnes qui racontent ces choses-là, qu'est-ce que tu as dit de tout ça? Moi, Traoré a fait accident. Ma voiture a fait tonneau. 4 fois avec moi. Lexus. Mm-hmm. 4 fois la voiture fait tonneau. Et puis maintenant, toi, tu vas sortir dans ça. Après, si tu tombes gravement malade. Moi, mes trucs, je ne dis pas aux gens. Mm-hmm. Quand j'ai des problèmes, je reste dans mon coin. Mm-hmm. Parce que je ne peux pas aller publier ma vie privée. Ils ne vont pas t'aider. Ils vont dire, moi, voilà, 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 c'est clair. Quand j'ai fait mon accident, là, j'ai été opéré. J'ai piqué une crise. On m'a évacué à l'hôpital. Je ne connaissais personne. Quand on est arrivé, on m'a enlevé 1 million où? Je suis resté là, on m'a mis à la réanimation, tout ça. Je ne connaissais personne, j'étais là. Par la grâce de Dieu, je me suis réveillé. Et moi, je me suis réveillé, j'ai dit, docteur, je vais boire de l'eau. Ma tension était jusqu'à 27. Wow. Puis, j'ai dit, docteur, je vais boire de l'eau. J'ai dit, où? Je suis où là? Je ne suis pas à la maison. Docteur me dit, hey, Mawa, il faut chanter Yuma Lili. J'ai dit, non, je ne vais pas chanter Yuma Lili, je vais boire de l'eau. Il dit, si tu ne chantes pas, Yuma Lili. J'ai dit, Yuma Lili, oh, pas. Je vois, j'ai dit, mais docteur, ça là, ce n'est pas brassade de chez Droubain. Mm-hmm. Ça, c'est brassade de l'hôpital. Mm-hmm. Ils ont joué avec moi jusqu'à. On dit, Mawa, tu ne peux pas boire l'eau à l'air. Mm-hmm. Parce que tu es rentré aujourd'hui, non, tu ne peux pas boire de l'eau. Je suis resté comme ça. Jusqu'à. On s'est débrouillé, par la grâce de Dieu, je suis sorti à l'hôpital. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à la maison, encore, je suis tombé malade.